Bonjour à tous, comme d'habitude, je suis content de vous retrouver. Vous le savez, quand j'ai une arme, obligatoirement je vous fais une vidéo de démontage à chaque fois dessus. Je ne l'avais pas encore fait pour mon fusil à pompe. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au démontage du Winchester SXP Defender High Capacity, tout en sachant que ce démontage sera valable pour toute la gamme SXP de toute façon. Vous voyez, aujourd'hui on a deux caméras, c'est le grand luxe, j'ai fait les choses bien, j'espère. D'ailleurs, la caméra en face, comme ça vous me voyez de face, c'est ma GoPro. C'est la caméra avec laquelle j'ai commencé à faire toutes mes vidéos, donc c'est assez marrant. Et puis ça, c'est ma nouvelle caméra qui me sert à faire toutes mes vidéos. Comme ça, vous avez une vue sur moi qui vous raconte ma vie et une vue sur la table concrète qui vous montre le démontage. Voilà, donc c'est pas mal. Avant d'attaquer dans le dur, je vous informe que j'ai maintenant un compte Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un compte Instagram qui se veut vraiment esthétique. Je mets des belles photos, des photos que vous m'envoyez, des photos de produits de la boutique, des photos de clients, bref, pas mal de choses. C'est vraiment un compte Instagram pour le plaisir des yeux, surtout. Voilà. N'hésitez pas à aller me suivre en masse sur ce compte, vous verrez, on s'amuse bien. Pour démonter votre fusil à pompe XXP, vous avez besoin de plusieurs choses. Tournevis plat et cruciforme, sachant qu'il n'y a aucune vis à dévisser, c'est tout simplement pour servir de chasse-goupille et de support pour taper sur une pièce. Vous verrez dans la suite de vidéo, vous comprendrez. Ça me sert à démonter, ça me sert comme une barre de fer pour démonter la pompe. Marteau pour sortir les pièces qui sont un peu serrées. Et puis une grande clé Allen taille 6 pour démonter la crosse. Voilà, pour aller à l'intérieur puisque la crosse est creuse. Alors j'ai posé ça sur la table pour vous le montrer parce que vous voyez, c'est un réducteur de tube magasin. Donc qui va là, hein, forcément. Moi, l'arme était livrée avec ça de base dedans, donc ça me réduisait la capacité à 2 plus 1 ou 3 plus 1, je ne sais plus. Donc faut pas paniquer hein, si vous pouvez pas mettre vos 7 cartouches dans le tube magasin, puisque je vous rappelle que celui-là, c'est un 7 plus 1, donc 7 dans le tube magasin plus 1 dans la chambre, et c'est d'ailleurs un catégorie B. Pensez à l'enlever avant d'appeler votre armurier en panique. Voilà. Donc c'est parti, avant de commencer le démontage, comme d'habitude, on va procéder aux vérifications de sécurité. Je les ai déjà faites forcément, mais je vais les faire devant vous. On ouvre, la chambre est vide, d'accord. Pas de cartouche dans le tube magasin. Je referme et je percute. Mon arme est sécurisée, on va donc procéder au démontage. Pour ce faire, on va commencer à démonter le canon. C'est la pièce la plus facile à démonter sur l'arme. Même si le démontage global de l'arme est quand même relativement simple. Alors oui, sur l'arme, moi j'ai rajouté ça, ça et ça. Ce n'est pas d'origine sur l'arme, c'est moi qui l'ai rajouté, à titre d'information. On va donc démonter cette pièce qui s'appelle l'écrou d'assemblage. Je vais la poser là. Une fois cette pièce démontée, le canon vient tout seul. Hop. Donc sur le canon, rien à démonter. Il y a, à part la fibre optique ici, c'est juste un clips en plastique qui est très, pour rester poli, embêtant à mettre et à enlever. Donc je vais le laisser, surtout qu'il n'y a pas de technique particulière. Et puis le grain d'orge, voilà. Donc on va poser le canon. Ensuite, on va démonter des pièces dans le tube magasin. Donc on a cette pièce ici, qui est le fond tube magasin. Donc pour la démonter, c'est assez simple. Vous l'enfoncez, vous tournez un quart de tour. Et ça sort. Donc vous avez la pièce ici. Pour le remontage, c'est exactement pareil à l'envers. Hein. Et le ressort magasin, qui est assez long. Ensuite, nous allons enlever la broche de l'ensemble détente, qui est ici, qui traverse l'arme, qu'on peut appeler aussi communément goupille, et qui va nous permettre tout simplement de sortir l'ensemble détente. Donc pour ce faire, moi j'ai pas de chasse goupille, donc je prends un tournevis cruciforme assez épais, pour ne pas venir entailler la pièce. Donc je mets comme ça. Et je tape. Et vous voyez, elle est assez facile à sortir. Je la retire à la main en faisant bouger un petit peu la pièce. Et voilà, la broche est ici. On la pose. Et là, l'ensemble détente vient. Donc on le sort comme ça. On sort d'abord l'arrière et après on tire comme ça. C'est important ce que je vous dis là parce que ici, il y a une pièce qui est assez fragile en plastique. Là, on peut voir. Donc, je vais poser l'ensemble détente qui est ici. Voilà. Alors d'ailleurs, tout de suite réflexe pour le remontage, ça sera plus simple. Amorcer le marteau comme ça. Tac. C'est plus simple pour le remontage. Vous voyez, ces deux pièces à la base sont identiques et ici il manque un bout. Contrairement à ici, vous voyez, c'est plus profond. C'est du plastique, ça s'est cassé tout simplement.
parce que si vous remontez mal l'ensemble des tanks, l'ensemble des tentes que vous remettez comme ça et qu'après vous forcez, ça va tout simplement arracher la petite pièce en plastique et ça part très facilement, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Donc faites attention vraiment à amorcer le marteau avant de remonter cette pièce et à ne pas forcer, c'est très fragile à cet endroit-là. Une fois l'ensemble des tentes démonté, tout l'ensemble de pompes qui va venir tout seul. Donc vous tirez juste comme ça, hein, le long du magasin, et ça sort tout seul. Voilà. Donc on a ici la culasse, le percuteur, le verrou, la double barre d'armement et le garde-main. On va démonter cet ensemble. Oh d'ailleurs, pendant que j'y pense, ce pull, s'il vous plaît, il est dispo sur la boutique en ligne. Hein, c'est un pull avec le logo MJ Armement. Il y a aussi des t-shirts, etc. Il y a pas mal de vêtements sur la boutique, dans plein de couleurs différentes. Et celui-ci, il a même un trou dans la poche kangourou pour faire passer les écouteurs à l'intérieur du pull. Ça vous évite d'avoir le fil qui pend ici. C'est pas pratique, ça s'accroche partout. Bref, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, la boutique, etc. et qu'il vous faut un pull un peu stylé, parce qu'il faut dire quand même que c'est stylé. Faut le dire, non. À un bout d'un moment, oula. Mes chevilles enflent énormément. Attendez. On va donc commencer par démonter cet ensemble. Pour ce faire, il suffit d'appuyer ici sur le percuteur, comme ça, comme avec une seringue. Et ça va sortir tout seul. En jouant un peu, ça va sortir tout seul de la double barre d'armement. Voilà, et du support. Maintenant, le percuteur n'est plus tenu, il sort tout seul. Hop. Avec son petit ressort. Moi, je ne vais pas plus en avant sur le démontage de cette pièce parce que finalement, c'est très compliqué et dangereux et voire pas possible. Donc, je ne le fais pas. Ça ne sert pas à grand-chose de toute manière. D'ailleurs, l'ensemble des tentes se démonte entièrement si on enlève cette vis ici et puis les autres goupilles. Par contre, l'ensemble des tentes, vous voyez, c'est quand même un sacré bazar. C'est quand même assez complexe. C'est à démonter vraiment qu'en cas de réel besoin pour changer une pièce ou quoi. Parce que sinon c'est une sacrée aventure. Donc là je vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est très long. Mais si jamais j'ai vraiment beaucoup de demandes, je pourrais le faire vraiment si vous en avez besoin. Maintenant on va dissocier le garde-main de la double barre d'armement. Ici vous voyez qu'on a une sorte d'écrou. On a deux encoches dedans. Et c'est là que mon fameux couteau full tang, comme on dit, en une seule pièce, en métal, entre en action. C'est conseillé de faire avec autre chose évidemment parce que ça c'est un peu dangereux. On va venir placer dans cette encoche comme ça et on va tourner. Alors moi il était très serré, j'ai eu du mal à le desserrer mais maintenant ça doit venir tout seul je pense. Voilà, là je l'ai dévissé. Voilà, je vais finir à la main. On se retrouve avec cet écrou. Et maintenant il faut dissocier le garde-main de la double barre d'armement. Et c'est juste envoyer ce système en fait qui est serré, qui est clipsé dans le garde-main. Donc normalement vous ne pouvez pas trop la sortir comme ça à la main, il faut taper, c'est pour ça justement que j'ai amené du marteau etc. Alors moi je vais taper d'une certaine manière, donc ça sort par l'avant comme ça. Donc j'y vais doucement, il ne faut pas abîmer la pièce. Vous voyez que je commence un peu à sortir, le filetage disparaît de ce côté. Alors moi forcément je l'ai déjà démonté une fois avant la vidéo hein, pour m'entraîner, pour pas vous raconter de bêtises, donc elle sort un peu mieux. Mais vraiment la première fois que je l'ai démonté c'était plus costaud que ça. Hein. D'ailleurs je me demandais même si c'était démontable. Vous voyez on progresse. Et voilà, et là c'est sorti. Donc ça c'est une pièce plastique, hein. Il n'y a rien d'autre à faire dessus, voilà c'est juste un manchon. Et ici on a donc la double barre d'armement avec le tube qui a ici le filetage pour mettre l'écrou. Donc les deux se disloquent comme ça tout simplement. Hop. Et donc ça se remonte de cette manière. Vous avez des encoches ici. Vous voyez que vous avez des encoches ici. Qui vont venir épouser parfaitement cette pièce. Donc on se met comme ça. Et ici c'est les deux barres qui viennent dans les encoches. Et ça se verrouille comme ça. Voilà. Et ça doit bien rentrer à l'intérieur de ce bourrelet. Pour ce qui est du reste du démontage, ici on a l'éjecteur. Vous voyez, c'est une barre comme ça. Qui se démonte avec un embout Torx taille 5 ou 6, je sais plus, mais assez vraiment petit que je n'ai pas. J'ai du Torx mais pas aussi petit. Donc je le démonte pas, mais en gros il y a juste une vis à enlever, hein. C'est assez simple. Et c'est relié à l'intérieur dans le support de crosse par un ressort. On va procéder au démontage de la crosse. Pour ce faire, vous voyez, vous avez deux trous ici. Donc ça c'est du caoutchouc, hein, c'est mou. Notre cruciforme va encore nous servir. Vous enfoncez à l'aveugle votre cruciforme dans le trou. Vous cherchez la prise sur la tête de vis et vous tournez tout simplement.
Voilà, je vais pas vous apprendre à dévisser une vis, j'espère pour vous que vous savez le faire. On dévisse, on dévisse, on dévisse. Par contre, il faut aller prudemment pour pas tordre, pour pas abîmer le filetage, parce que le fil s'est vissé directement dans du plastique, donc faut quand même être prudent. Donc le haut il est parti, et je dévisse le bas maintenant. Donc j'ai ici la plaque de couche, ou le sabot comme vous voulez, avec les deux vis dedans, on va les laisser dedans, elles sont bien. On a cette plaque qui vient, et maintenant on peut observer tout l'intérieur de la crosse qui est complètement creux. Donc si vous voulez ranger quelque chose, c'est assez pratique. Il y a quand même de la place. J'essaie de vous montrer, donc vous voyez au fond de la crosse, on a donc la fameuse vis avec une encoche de clé Allen avec des rondelles, donc on va mettre la clé là-dedans pour dévisser. Je prends donc ma fameuse clé, donc moi j'ai monté ça sur une clé à cliquer, c'est toujours plus pratique. On va chercher. Voilà, j'ai mordu. Voilà. Et là c'est parti. J'ai cette longue vis tige qui est au bout de ma clé. La crosse est venue, donc il n'y a plus rien à démonter dessus. On se retrouve avec la carcasse et le tube magasin seul. On a encore une pièce plastique dans le tube magasin. C'est le fond de tube magasin de ce côté-là, mais il est, on peut pas le sortir. Et de toute façon, dissocier le tube magasin de la carcasse, c'est pareil, on peut pas le dissocier. Donc là, maintenant, c'est clair que c'est assez léger tout ça. On va observer un peu cette tige, voilà. Donc on a deux rondelles dessus et un filetage au bout. Bon bah moi, j'ai plus qu'à remonter mon arme. Avant, je vais lui faire un petit nettoyage, je vais en profiter. Forcément, pour le remontage, c'est pareil à l'envers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez aussi vous inscrire à la page Facebook. Suivez-moi maintenant sur Instagram, puisque c'est possible. Vous avez été nombreux à me le demander, maintenant c'est possible. Évidemment, tout ça est gratuit, donc c'est merveilleux. Vous voyez, vous pouvez vous abonner partout, c'est tout gratuit. D'habitude, on vous demande toujours de l'argent. C'est maintenant que je vais vous demander de l'argent. Non, je rigole. Pour rappel, je vous informe que j'ai toujours ma boutique en ligne, hein, d'ouverte, qui vient trouvable dans la description et puis un peu partout. Donc allez jeter un œil si vous avez besoin de matériel, et si vous ne trouvez pas ce qui vous plaît, faites-moi-en la demande, je pourrais vous dénicher des choses. Et comme d'habitude, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, mettez un commentaire. Vous avez énormément de moyens de contact différents pour me parler, que ce soit pour me dire bravo, pour m'insulter, pour me donner des conseils, des idées, peu importe, je vous réponds toujours. Bon, pour les insultes, pas forcément. Mais je vous réponds toujours, vous avez énormément de moyens de contact pour me parler, et franchement, je prends le temps de tous vous parler, vous répondre. Donc faites-le, c'est toujours très sympa d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.